sucré. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le pleu. Bienvenue à votre émission Gourmet Sucré. Alors bonjour Willy. Bonjour Mme Love. Ça va? Oui, ça va bien. Mais vraiment c'est pas facile de te retrouver hein, parce que je suis passé dans tous les quartiers. On dit ah maman lui là il barre tellement qu'il rentre pas tôt. Mais Dieu merci, au moins j'ai pu répondre au moins à ton invitation parce que là ce n'était pas facile. Quand j'arrive ici, il dit, ah la veille, il va venir tout à l'heure. Mais quand il vient seulement, il sort encore, il s'en va voir sa copine. Parce qu'elle est dans le quartier ici, tout le monde est au courant de ça. Quand il s'assoit, il réfléchit seulement. Il dit, moi, tout sera moi, la seule, j'ai le mécanisme de ça. Donc, je suis très fier que tu viennes aujourd'hui dans mon émission qu'on appelle le Gourmet Sucré. Et c'est une télévision aujourd'hui, c'est la seule télévision qui peut t'envoyer dans tout, partout. Mais chaque heure qu'ils vont regarder même l'émission là, ils vont même dire que vraiment l'enfant avait raison. Parce que l'amour là, c'est de là. Mon fils, quand deux hommes aiment là, les parents, nous, on ne doit pas trop s'imposer. Donc, vrai. Vraiment, soyez les bienvenus. Vraiment, merci. Tu as tapé à la bonne porte. Avec le gourmet sucré, chez nous ici, tout est bon. Merci beaucoup. Merci aussi à toi. Non, je suis très heureux de vous avoir rencontré pour expliquer vraiment mon gourmet sucré. Donc, ma copine qu'on est ensemble il y a longtemps, bon, on s'aime vraiment, on est prêt pour tout faire ensemble. Oui. Donc, l'amour est prêt, on doit se marier maintenant. Mais les parents... L'amour est prêt, ce n'était pas prêt. Ce n'était pas prêt parce que la famille... S'impose trop. S'impose trop. Donc maintenant, moi, j'aimerais que vous me donniez des conseils. Voilà. En tant que la seule love, pour que je puisse rester avec ma copine. Merci beaucoup. Ça, c'est un petit problème, mon fils. Le fait même que tu es venu parler, parce que chez nous, en pays, ouais, on dit quand tu vois le singe qui gratte son côté droit, ça, c'est une histoire qui le marque vraiment. Ce que tu as dit là, c'est de la réalité. Ta femme là, dis-moi au moins, parce qu'on ne peut pas dire à une femme qu'elle me plaît comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, toi, qui te plaît, qui t'enjaille même? Il faut verser ses pieds et voir. En tout cas, elle me fait, elle fait tout pour moi, en côté de l'amour. Elle prend bien soin de moi. Tout ce qu'elle la demande, elle me donne. Voilà, elle te donne, non? Ouais, mais est-ce que cette femme là aujourd'hui, je suis fier d'entendre qu'un homme. Qui veut vraiment vivre avec sa femme parce qu'il y a quelque chose quand même qui te plaît auprès de cette femme. Parle-moi un peu de ça. Oui, parce qu'elle est respectueuse. Il faut laisser ce côté-là, c'est pas ça qui m'importe. Elle t'a une fois pipé? Oui, elle m'a une fois pipé une fois. Et quand elle t'a pipé, comment tu as trouvé ça, la pipe là? En tout cas, j'ai trouvé ça propre. Ah oui, mais elle pipe ça bien. Oui. Elle t'a pas mordu, pas de blessures dessus. Non, elle n'a pas. C'était bien lisse quoi. Oui, c'était bien lisse. Ouh là là, mais c'était au paradis. Oui, c'était au paradis. Hein. Ah, d'accord. Le corps, là, il y a un seul cœur. Quand les gens disent, non, j'aime toutes les femmes. Non, on ne peut pas aimer toutes les femmes. Ça, c'est vrai. On a 500 femmes par jour, mais 500 une femme, là, c'est ça qui est pour toi. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu vois? Il y a des hommes qui sont en train de te mourir, hein. Et puis, ils pensent à une autre personne pour pouvoir jouir. Ouais. Pourtant, parce que l'homme, c'est pas facile de dire à une femme, je ne t'aime pas. Ouais. Tu vois, il joue le jeu. Parce que quand l'homme lui veut même, il a envie de t'avaler en même temps que tu sois dans son ventre. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'heure que je te vois comme ça, tu es trop cherché pendant une semaine. Je prends mon groupe, on s'en va là, on dit, ah, la vieille, il est vraiment là. Mais présentement, là, il a un gourmet, il le fatigue. En tout cas. Dans ton quartier, j'ai laissé plein de contacts partout. En tout cas, ce gourmet m'a trop fatigué, ça m'a trop fatigué, vraiment. Ah, donc, en tout cas. C'est ça, tout, je dis, quand tu conduis une voiture, forcément, la voiture doit garer. Aujourd'hui, tu es bien tombé, tu as tapé à la bonne porte. Ton problème réel même, il faut m'expliquer pour qu'on puisse vraiment partager ça ensemble. Ah ok, c'est alors bon que il y a un an qu'on est ensemble donc. Un an seulement que vous êtes ensemble, mais vous êtes connus comment? Moi on s'est connus dans le quartier, on sortait ensemble, on fait tout ensemble, se cache-cache, on dort ensemble. Souvent je m'avais dormi sur lui, si ses parents sont pas là, souvent elle aussi elle vient dormir sur moi. On se cachait comme ça jusqu'à maintenant, ce niveau maintenant, c'est trop fort que moi. Trop fort que moi maintenant. Tellement qu'elle est amoureux même là, tu peux plus tenir. J'espère que dans le quartier où tu es, il n'y a pas de camion qui passe là-bas. Hein, parce qu'en marchant un jour, tu vas apprendre que c'est elle qui est dans la voiture déjà. En tout cas. Donc, mais les parents au moins t'ont connu, non? Oui, les parents m'ont connu, mais son père ne veut pas me voir. Mais non, brusquement, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on ne veut pas le voir. Tu as fait quoi? Tu aimes les filles, mais elle a dit à ses parents, papa, maman, voici, je vous présente mon ami. Et de là, comme ça, brusquement, ils ne veulent pas te voir. Il faut nous dire exactement ce que tu as fait aussi. Bon, moi, je n'ai rien fait. Tout ce que moi, j'ai dit, il dit, ah, je veux votre fille parce qu'on s'aime. Tu as dit à les deux parents, là? Oui, oui. Les parents qui nous regardent, on vous a dit ça, non? Oui, ils ont dit ça. Mm-hmm. Maintenant, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me recevoir parce qu'ils ont donné la fille à un monsieur depuis qu'elle est petite. Ah bon? C'est des choses comme ça, j'aime ça.
Ils l'ont gardé depuis qu'elle était petite fille. Oui, oui. Et le monsieur, oui, elle, elle a quel âge ta femme là? Bon, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ouais. Et le monsieur, toi, toi, tu as quel âge? Bon, moi j'ai 22 ans. Alors, ça c'est le même club ça. Bon, vous là, vous les parents là, je vous dis bonsoir. Je suis la seule là de tout le pleu. Vous qui prenez enfant déjà dans le ventre, depuis le mari au dehors là, il est déjà dans le ventre ou déjà, vous faites votre mariage là. Arrêtez-moi ça. Ça c'est un ancien temps, ça n'existe plus. Laissez les deux enfants vivre leur vie. Où il y a fait de dire que non, tu ne l'avais pas, vous l'avez déjà, elle est déjà réservée. Hein? Vous qui êtes les parents, c'est ce que vous allez dire. C'est dépassé ça. C'est avant qu'on. Est-ce que maintenant même les femmes du là, ils ne font plus ça? Chacun fait son choix. Si les deux se sont aimés, vous, l'essentiel que la fille, elle ne se promène pas. Elle est venue vous montrer quelqu'un. Respectez ça. Dites au moins, vous êtes fiers. Essayez l'enfant pour voir quand même comment ça va se passer. Hein? Et vous êtes à vous le rendre fou aujourd'hui comme ça à cause de votre fille. Ne vous fatiguez pas. Hein? Le jeune, là, il va prendre la fille. Là. Moi, je suis la seule de tromper. Il va la prendre. Votre affaire pour dire, on va garder. Vous allez lever jusqu'à puis donner à quelqu'un qui n'a plus dedans. Là. Vous me cherchez vampire pour lui donner. Elle ne va pas prendre celle-là. Elle ne va pas la prendre. Mon fils va prendre ça. C'est pas comme ça on fait. Vis-à-vis comme ça. Et toi, tu es le père. Toi, tu es le père. Tu vas te comporter comme ça. Ça ne se fait pas. Le monde, ça ne se fait pas. Toi, le monsieur, il a dit carrément. Et pour vous aujourd'hui, une, ça, c'est une télévision. Une télévision du monde entier. Il va te même musique, ça ne s'arrête pas. Yopougon, ou bien Daloa, ou bien Burkina. Ça dépasse, ça va aux États-Unis, dans tous les grands pays. Donc, si l'enfant est venu aujourd'hui à mon émission ici, c'est pour dire que c'est une émission qui lui tient en cœur. Il faut qu'il en parle pour que vous compreniez. Moi, je vous dis, nous sommes tous des parents. Nous avons tous nos enfants. Moi, si mon fils même m'envoie une personne qui a un œil, son en bas n'a pas un œil là-bas. L'essentiel, s'il s'en jaillit dedans, ça me regarde. Ce n'est pas un problème. Si il m'envoie une femme qui est handicapée, son en bas n'est pas handicapé. S'il peut s'en jaillir sur un pied, c'est son problème. Ça ne regarde personne. On vient vous voir quand même, c'est vous que vous plaignez pour dire que, ouais, comment on appelle ça? Elle était déjà réservée. C'est habit de fête. Pourquoi tu vas garder pour porter juste devant vieux? Ne vous fatiguez pas. Hein. Moi, la seule de trouver, je vous dis que arrêtez ça. Dans le gourmet sucré ici, il faut qu'on se dise certaines vérités. Ce que vous cassez à côté, moi, je dis ça en direct. Vous voyez, je n'aime pas ça. Et moi, je ouvre la bouche et puis Dieu fait sortir la parole. Vous êtes en train de le fatiguer? Elle a pris fille, même votre fille, même là. Elle est devenue folle même. Elle était venue me voir que maman, moi je ne veux pas de vieux comme apprenti. Votre fille même, elle ne veut pas votre périmètre, vous l'avez gardé là. S'il y a quelqu'un de son âge, dis-le lui. Il faut dire quand on garde quelque chose dans une boutique, tu as réservé une chaussure, tu n'arrives plus à payer, tu as appelé le gestionnaire pour dire la chaussure là, je ne prends pas. On ne force pas pour ses chaussées. C'est son genre. Votre périmètre là, depuis qu'elle a 18 ans, vous avez dit il y a longtemps, vous l'avez gardé. Il y a longtemps, vous l'avez gardé là. Gardez là. Elle a eu son cœur. C'est son cœur. Elle a malheur que votre fille est en train de souffrir. Mais garde à vous, si un danger arrive à la fille, moi, en tout cas, on va vous porter plainte. Parce que ça n'existe plus. Où on donne les femmes à être là, aux forces là. Ça n'existe plus. Pour dire c'est comme ça. Moi, j'avais une servante chez moi. Ma servante était chez moi à la maison. Elle croit un matin comme ça, elle pleure. J'ai dit, mais et s'il y a quoi? Elle dit, ah, maman, on m'a envoyé, on dit de rentrer. Ah! Dis-moi, je t'ai laissé, je suis foutue. Parce que tu es la seule qui peut rester chez la seule là. Elle dit, maman, j'ai dit, mais je peux t'accompagner. Je l'ai accompagné jusqu'à Abuna, à Tranchia. J'arrive le soir. Le mari même qui arrive, moi, je pensais que c'était son grand-père. Et je demande, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Papa, bonsoir. Il dit, bonsoir. Il dit, ah, papa, excuse-moi, hein, j'ai accompagné votre fille là. Il dit, non, c'est moi, mais son mari là. Toi, mais ton mari, hein? Qui? Toi? C'est toi qui vas prendre ma fille. Elle dit, madame, il y a longtemps, on a préparé ça, tout est réglé. Arrêtez-moi ça. Le cœur là, c'est un cœur d'amour. Et l'amour, c'est de là. On ne cherche pas à choquer le cœur de chacun de nous. Vous laissez ça? Et là, comment l'enfant est devenu? Votre propre fille, vous pensez qu'il va la prendre? Maman, s'ils t'ont forcé pour aller là-bas, il ne faut rien dire. Hein? La nuit, meilleur médicament là, il faut gratter les testicules du monsieur. Il va te couiller là. Tu lui fais des fals, pipe même, précis l'attention, il n'a qu'à rester dessus. Parce que trop c'est toi, on ne force pas quelqu'un. C'est les deux faces, ça, je t'ai montré. Tu le pipes. Si c'est un vieux et qu'on n'est pas pipe, tu prends cet esprit-là, sa pine là, tu mélanges tout, tu suces sur ça. Il va dire, ouais. Voilà, quand tu dis, lui, mais il va déménager. Il va dire, t'as mon effet. Voilà, mon socorro, ni il m'a rebalié. Ils vont laisser ça. Il va prendre son gars. C'est son gars. Ils se sont aimés. Et puis vous dites qu'on a réservé. Ça existe encore en Côte d'Ivoire ici. On a dépassé ça. Mon fils. Oui, maman.
ici là, prends ton calme. Okay, si Dieu dit c'est pour toi là, c'est pour toi. Okay. Tu es trop joli. Okay. Tu es trop joli mon fils. C'est pour Dieu dit que c'est pour toi. Elle aussi la manière tu souffles là, elle aussi elle souffre comme ça. Est-ce que tu vois? Si demain que les parents t'embrouillent trop, je vais te donner un petit film. Tu fais semblant, tu t'en laisses à lui. Tu es assis devant la vieille, hein? Tu en as taqué la faute, mais tu en as au caleçon, il t'a coussiné. Tu prends pile en, tu mets sur chaise pour dire que tu es devenu fou. Tu ne reviens pas. Voilà, et mais ils vont donner des nées dessus. Hein? C'est que la même, quelle manière? C'est là comment tu fous même. Hein? Regarde comment tu, je te connais pas, mais regarde quand je t'ai retrouvé, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Cas, tu m'as montré même tes photos, mais tu es plus costaud que ça. Hein? Donc il faut leur parler. Qu'il faut même pas en perdre. Ta femme là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rokia. Rokia! Faut pas te fatiguer, ma fille Rokia. Tu as trouvé ta grand-mère, la seule lors de tout le pleu. C'est pour toi. C'est ancien temps, ma fille. Toi, tu es née à bien, si tu es trop hier, ils vont te garder. Donc, depuis dans le ventre, ils t'ont fait ton mariage. Hein? Et si tu venais garçon, il allait le marier. Tu es venue femme là. Depuis que tu es dans le ventre, ils se sont mariés à lui. Ça n'est plus ça. Vous de Rokia, moi, je suis ta maman. Tu vas marier ton fils là. Il ne faut même pas la peine d'aller prendre des médicaments, d'avoir des soucis pour te faire du mal. Parce que quand l'amour est fort dans le corps d'une personne là, on ne peut pas aller autrement. Tu as compris, non, Rokia? Vous, la maman et puis papa là, mon papa, quand même. Ce que tu as pris, on t'a proposé ça. C'est toi-même qui as fait ton choix, non? Mais si tu as mis ta chose au monde, laisse-la, elle aussi, elle va faire son choix. Mais c'est toi qui vas là, qui va, tu vas l'embrouiller. Non, c'est enfants qu'on les a mis au monde. Si Dieu nous a donné une force à avoir un enfant sur la terre, nous devons quand même prier bon Dieu qu'il s'entende avec les camarades. Mais si la fille ne nous donne rien, qu'au moins ton fils dit, ah, voici ma copine, c'est une fierté pour nous. Quand c'est pour toi, là, mon fils, c'est pour toi. Ok, là, c'est ne te pose pas. Il y a des gens, souvent, ils sont avec une femme, et puis elle prend grossesse avec quelqu'un d'autre. Et le jeune ne sait pas. Et au dernier moment, le jeune, la fille lui dit que non, la grossesse n'est pas à toi. Il dit, bon, amène l'enfant là-bas, puis moi, je veux toujours de toi. Quand l'homme l'aime, là, c'est pas comme la femme quand elle aime. Quand la femme l'aime, là, elle aime le jeu. Parce que l'homme, lui, c'est franc. Quand il veut, là, il veut de toi. Ça, c'est vrai. En tout cas, quand il veut de toi, même, il n'y a même pas de. Même si tu n'as pas de dents, que tu es vampire, même, partout, il s'en va avec toi. Parce que tu es son genre. Tu as dit, il ne t'a jamais pipé. Mais quand ils t'ont fait la pipe, là, ça t'a. Tous tes cheveux qui étaient mal dressés, tout était dressé. Elle est vraiment enceinte de moi-même. Elle est vraiment enceinte de moi. Elle est enceinte même de toi. Et puis, on te fatigue comme ça. Oui, il me fatigue vraiment. Attends, les parents de Rokia, là, vous ne savez pas que votre Rokia est enceinte. La personne que vous ne voulez pas avoir là, il a tout fait pour enceinter votre fille. Donc, la meilleure solution, la famille, nous sommes tous les mères des enfants. Pensez quand même. Rokia, là, réserve, vous avez fait là. Le gars, le petit qui est avec lui, l'enceinte. Où vous êtes aujourd'hui, Rokia enceinte? On va faire comment? Nouveau gars, quand il va apprendre Rokia enceinte, on va dire que les deux parents, ce n'est pas bien. Donc arrêtez de les fatiguer parce que quand un homme, pour la première fois quand tu tombes enceinte de ton mari, il est très fier, il veut toujours, parce que là le col même devient chaud. Hein? Il veut toujours s'approcher de sa femme. Hein? Et puis vous êtes à vous les embrouillez, arrêtez de les embrouiller. Hein? Rokia, reste calme parce qu'avec ton état tu es dedans, là. Il faut rester tranquille. Je sais moi la seule là. Je vais tout faire aussi, me déplacer, aller voir cette famille là. Parce que déjà, toi-même, Rokia, j'étais déjà croisé. J'ai vu aussi le mari, mais la famille, je vais aller les voir. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais quand on demande pardon, et puis ça passe. Donc arrêtez de le traumatiser. Il n'a jamais fait d'enfant. Un enfant de 22 ans. Rokia aussi a 18 ans. C'est le même club là. Vous allez prendre quelqu'un de 55 ans. Rokia, à partir de 20 ans déjà, Rokia va avoir 100 ans. Hein? Parce que c'est le corps de personne qui est important. Donc les parents là, ne faites pas ça. Il n'y a plus amour où on prête quelqu'un pour aller donner à l'autre. Vous avez compris, non? Donc, mon fils, ce qui est sûr, avec la seule, avec le gourmet sucré, tu n'as pas de problème. Tous ceux qui ont des problèmes de cœur, cherchez à composer ce numéro. Regardez toujours, tous les vendredis, je suis à l'atelier avec vous. Le 209, tous les vendredis, à partir de 21h, vous allez voir la seule. Donc, c'est ce que je vais vous dire, que l'amour ne vous mêlez pas dedans. L'enfant entend de souffrir. Votre propre fille que vous avez mise au monde aussi, elle entend de souffrir. Vous avez compris, non? Mon fils, ton dernier mot au moins. Bon, même si la famille a payé la dot, et si prêt et grouillé pour rembourser, même si c'est comment? Parce que si prêt pour la fille et je l'aime, je vais tout faire. Même si je dois payer pour ça, que cette fille est faite parce que je l'aime et cet enfant m'appartient si prêt. Donc je vais tout faire. Je vais tout faire. Même si le vieux là a donné combien, moi je vais donner plus que ça. Voilà, pour vous montrer que je l'aime avec tout mon cœur. En tout cas, si prêt, hein, si très très prêt. Si vous ne m'avez pas donné la fille là maintenant, parce que j'ai négocié, mais si vous n'avez pas accepté maintenant, ça serait la manière fausse. Ça, c'est la manière fausse parce que je ne joue pas avec cet amour-là. C'est très, très cher. Donc, je suis capable d'entrer au Burkina
est revenu, est reparti avec la fille et personne ne parle. Alors tout à l'heure, j'étais avec Willy, tellement qu'il était dépassé, le gourmet le fatiguait beaucoup. Alors moi, la seule chose, j'ai préféré lui dire, parce qu'il m'a dit, même il va toucher tout ce qu'il peut toucher pour récupérer sa femme, moi, la seule chose, c'est tout ça, il n'y a même pas de problème. Il ne faut même pas qu'il va faire ça. Les parents, écoutez-moi, quand les deux hommes s'aiment, ne vous mettez pas dedans. Laissez-les, mais ils vont choisir leur vie. Bon, mon fils, quand tu me dis que tu vas faire ça, tu vas faire ça. L'amour, là, quand Dieu a décidé que c'est pour toi, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, les histoires d'amour, ce n'est pas la peine d'agresser quelqu'un. Ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Écoute ton cœur et Dieu même va t'amener la personne. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, je vais recevoir encore un grand artiste qui s'appelle Coco Eric. Coco Eric, c'est un artiste dedans, mais qui chante le coupé décalé. Bonsoir, Eric. Bonsoir, la Célo. Oui. Vraiment, je suis très heureux de te retrouver. Oui, merci beaucoup, la Célo. Oui. En fin de cette année, ce n'est pas du tout facile. On a beaucoup de sorties et on se déplace un peu beaucoup. Oui. Et quand tu m'as payé, tu dis, ah, si c'est la maman, il faut que je sois là. Voilà. C'est pour quelle raison je suis venu directement. Vraiment, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Sinon, avec le gourmet sucré, je vais vous poser une petite question qui va pas quand même déranger ton gourmet. Hein. Non, sans problème. Voilà. Parce que on doit parler des hommes qui sont des crochards. Oui. Les crochards veut dire les hommes qui aiment vivre chez des femmes. Oui. Mais, maman, merci beaucoup. Oui. Mais les femmes là aussi, ils ont besoin de ça aussi. Ah bon? Oui, d'autres trouvent que c'est mauvais. Pas que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. La femme là, elle a besoin de ça. Comment ça? Oui, mais aujourd'hui, vois-nous. Elle a tout fait. Elle cherche mari. Elle a maison. Elle a tout. Mais elle n'a pas de mari. Elle n'arrive pas à trouver. Quelqu'un ne l'appelle même pas. Ceux qui l'appellent, c'est pour l'inviter dans le coin pour faire autre chose. Mais ce qu'elle a besoin, le gars ne parle pas de ça. Donc, elle est obligée de même décider d'attraper quelqu'un elle-même. De prendre quelqu'un. Okay. Quelqu'un elle-même, c'est bien beau d'attraper quelqu'un elle-même. Oui. Mais ce que moi, je voulais savoir, quand on décide que moi, la seule, comme ça, je suis à la recherche d'un homme, c'est pas pour le maltraiter de ma maison. Le laisser aller comme ça parce que j'ai besoin de quelqu'un. Il est là chaque jour, il me couille seulement. Non, c'est pas parce pour ça. Parce qu'on a la recherche d'un homme, chaque fois, je loue quelqu'un pour me couiller seulement. Non, c'est pas pour ça. Ah, mais oui, c'était pourquoi alors? Mais la femme, ça la manque beaucoup de choses. Parce que le chaleur d'un garçon, c'est différent du chaleur de la maison. Oui. C'est différent du chaleur de fourneau. Donc, toi, Coco, tu couilles les veuves là aussi. Les veuves ont besoin de ça parce que ça fait rajeunir d'abord. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais ça fait rajeunir. Ah, d'accord. Mais pour moi, au contraire, moi, ça me vieillit, ça ne me fait pas rajeunir. Ah, parce comment que... Vous avez essayé combien de fois? Non. Monsieur Coco, oui? Je suis vraiment... C'est des choses comme ça, je voulais dire. Merci. On peut louer un homme pour vivre avec toi. Oui. Mais il faut vivre avec un homme qui va te... Tu vas le mettre au beurre. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu vois? Oui, ça, c'est mais vrai. Tu fais semblant, tu joues le jeu dehors. Oui. Et quand il rentre chez toi, tu montres un autre monde. Et moi, je dis à ces hommes-là, c'est simple. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas de dortoir. Ça, c'est donc, vrai, quand ça. Ils trouvent une petite occasion, ils profitent. Ils restent là même temps. Ils restent là même temps. Mais où tu t'en restes aussi, elles demandent par exemple 4 coups par jour. 4 coups par jour. Où elles font ça? 4 coups par jour, ça dépend de la personne qui te trouve devant toi. Si elle-même, elle a la capacité de supporter les 4 coups. De supporter les 4 coups, mais aller jusqu'à 5 coups, on peut essayer. Ça ah peut bon? Arriver. Oui. Ah. Donc, tu ne fais plus que ça. Ah non, amour, ça existe comme ça jusqu'à 5 à 10 coups. Quand la femme, quand tu vois son corps, toi, déjà, la vibration commence en toi. C'est ça souvent. D'accord. Bon. Monsieur Coco. Oui, maman. Vraiment, c'est ce que j'attendais. Oui. Pour dire que l'amour, là, c'est de là. Le vrai couilleur même là. Oui. Un coup, c'est bon, un homme est trash. Mais 5 ou 6 coups, ce n'est plus l'amour. Ça devient un règlement de compte. Ce n'est plus l'amour, ça. Là. Oui, maman. Couilleur qui gagne jusqu'à 10 coups. Mais elle a bien. Mais attendez, c'est quelle manière de me parler ça sur l'antenne comme ça là. Toi, couilleur quelqu'un 10 coups. Attends, ou bien tu es, c'est pas corps de quelqu'un, sinon vrai corps qui est dans la fesse d'une femme. Oui. Tu vas mettre ta queue là jusqu'à 10 coups dedans. Non, ça dépend de... Bah, ou bien ton concours que tu as passé, c'est ton concours de couillement que tu as reçu. Non, parce qu'il y a des concours de couillement aussi qui marchent. La femme, ça fait longtemps. Ah donc, toi, comme... Ça fait longtemps, elle n'a pas gagné ça. Voilà. Quand elle te trouve là, hein? Elle peut même pas te laisser même aller à quelque part encore. Ah. Tu es là, tu sors et t'appelles. Qu'est-ce qui peut être appel? Mais plus forte... Il y a un encore que vous ne pouvez pas manquer, son rendez-vous. Elle est beaucoup exigeante sur rendez-vous. J'ai dit, monsieur Coco. Oui, maman. Vous êtes un escroc de couillement. Non. Vous êtes un escroc de couillement. Parce que vous n'avez pas de docteur, vous ne savez pas où il faut aller.
Tu as couillé une femme déjà qui t'appelle où tu es. Tu as, on t'a enfermé à la main, quand même, il y a liberté. Ils savent jouer au ballon. Donc toi, ton concours, tu as fait, mais c'est coco, tu as assis là. C'est un concours de couillement. On doit te présenter sur les antennes pour que ceux qui veulent faire 10 coups vont nous appeler sur mon antenne ici. Mais ce coco est prêt pour ça. Non, mais c'est ça. Carrément. Ça existe. Ah, on t'appelle, c'est parce que tu n'as pas de dortoir, tu ne sais pas où tu vas aller. Non, c'est pas question de dortoir. C'est pas mais non, mais si j'ai un homme. Je dormais avant qu'elle me raconte. Bon, tu dormais avant là-bas. Oui. Les 10 coups là. La maison qui est là-bas? La maison, j'ai une famille qui est là-bas. Ah, donc là-bas là, c'est ça, il dit que tu as fait un concours de couillement. Non. Ah non, mais chaque concours. Non, non, mais il ne faut pas prendre des gens pour ça faire rien. Non. Tu es chez une personne. Oui. Tu vas d'abord. Moi, par exemple, la seule, comme j'ai arrêté de faire l'amour aujourd'hui, oui. Ça fait 30 ans. Oui. Et j'ai décidé à Dieu. C'est longtemps, hein? Non. Et j'ai dit à Dieu, mes enfants doivent m'envoyer les petits-enfants. Oui, moi, la seule, là, je ne me vois plus me déshabiller devant quelqu'un. Ça, c'est je suis resté avec Nyankuri Abato Rigobert. Je respecte mon corps. Ça, quelqu'un va faire zougou-zaga, 10 coups. D'abord, même moi, pour me lever de mon tableau, je ne peux pas. Oui. On va me... Est-ce que c'est foutu banane typique là-bas? Non, c'est pas foutu banane. Les bananes, on peut faire des mamies de foutu. Oui. Donc, toi, Coco, on va te présenter aux gens pour dire, toutes ces femmes qui veulent faire des coups, j'ai un Coco, il est très propre, bien galant. Venez pour les couillements. Il a passé ce concours pour ça. Chaque concours a son métier. Ouais, pour moi c'est vrai ce que tu dis. Mais souvent, les femmes, là, quand tu fais ça, souvent, elles ne peuvent même pas te laisser partir. Tellement que tu couilles bien. Elles passent ça à la camarade. Sa camarade va t'appeler. L'autre va t'appeler encore. Il dit, pas fini, mais la femme, elle est très contente. Elle est toujours contente au travail. Quand elle va au travail, elle est contente. Elle va ici, elle va ici, elle est toujours contente. Bon, c'est que je elle passe le message partout. C'est que je vais savoir, oui, maman. Mais si toi tu as pris même un sucre, quel sucre, oui. C'est que je vais te dire, oui, maman. Tu as quel venin dans ton corps, oui. Où tu vas rester pour faire 10 coups à quelqu'un là. Oui. Parce que dans la ville, tous les métiers sont payants. Oui, 10 coups là, c'est... Non, attends-moi, oui, tous les métiers sont payants. C'est vrai. Parce que, point, moi ce que je suis en train de dire, sur mon émission, je t'ai dit, oui. Je ne vais pas voir mon fils. Oui. Par exemple, mon fils qui est le blanc. Oui. Mon fils a une copine. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Alors, mon fils a une copine et puis je vois, j'arrive à la maison chez mon fils. Oui. Et c'est mon fils le blanc qui nettoie la maison. Et mon fils, il est dans la cuisine. Oui. Pour aller au travail. Tant que la dame n'est pas encore allée au travail, mon fils est là. Il est là. Il peut faire un couillement. Je l'ai mis au monde. Il est libre de couiller comme il veut. Ça, c'est vrai. Mais d'ici 20 ans, hein, c'est ça, j'ai dit, chacun a son concours sur la terre. Ça, c'est vrai. Après, tu as passé le concours ou tu as gagné dans le couillement. Non, pas concours. Parce que tu as gagné dans le couillement. Pas concours ou tu vas couiller quelqu'un, femme, habillée ici, 10 coups. Ces femmes-là, c'est que c'est des femmes. Parce que tu sais que je vais te dire, quand on dit souvent les hommes sont impuissants, il y a aussi les femmes impuissantes aussi. Ça, c'est vrai. Il y a la femme, souvent, tu vas taper, mais 150 coups, ça ne bande pas. Ah! Sa mère, il n'a jamais vu ça. Mais c'est à sa mère. Il y a des femmes fortes de ma tête, tu es chérie, je sens rien. Il y a les vagins qui ne bougent plus. Oui, oui. Il y a des maladies. Il y a la maladie que l'homme est impuissant. Le vagin aussi. Le vagin aussi est impuissant. Oui. Ah est-ce bon? Que tu vois? Oui. Tu as une femme, vous aimez bien, elle t'aime jusqu'à, mais souvent elle te donne des faux rendez-vous. Oui. Elle te dit, le jour que tu dois avec elle, tu fais même, tu vas la lécher. Tout ce que tu dois faire. Aïe. Moi, mon fils, là, quand j'étais dans mon temps, moi, la seule, oui. Il suffit que quand je suis fond de toi, que tu me fisses trop dans les yeux, ça m'excite. Déposer sa main sur moi, si tu es épaules, ça m'excite. Moi, j'adore vraiment que l'homme est compris, me fissait dans les yeux. C'est moi, la seule, ça m'excitait. C'était mon fils, ça. Voilà. Est-ce que tu vois? Oui. Les suçons vont suivre les deux pieds en bois, puis ton anus fait du bruit, là. Non. Pour moi, là, c'est trinquin. Trinquin. Et puis, c'est OK. Donc, grigaille, là, monsieur Coco. Oui. Tu peux vieillir avant ton âge. Écoute-moi aujourd'hui. Oui. Parce que ne laisse pas. On t'a déjà mis au monde, t'es déjà né. Oui. Tu es un garçon. Oui. Tu n'as pas besoin que une femme va te manipuler, va te dire où tu es. Oui. Où tu es. Donc, amour que vous demandez, les femmes là, vous qui disent que baisez-moi 3 fois, 5 fois, 6 coups là. Écoutez, ne tuez pas enfant déjà. Si votre cul ne marche plus là, quand quelque chose ne marche pas, on met un âge. Vous prenez l'enfant des gens, des jeunes comme ça, parce qu'ils sont dans les problèmes, ou bien ils ne savent pas où ils vont dormir. Vous êtes à vos vieux couilles, là, vous ouvrez ça, on tape dedans jusqu'à 5-10. Ça, c'est la mort maintenant qui vous arrive. Couillez quelqu'un bien ici, 10 coups. Prenez les enfants au moins un coup, des partages, donnez-les des idées. Au moins, j'ai des connaissances. Je t'aime, mais je veux que tu travailles ici. Ou bien je t'aime, tu veux que je fasse ça. Parce que moi, la seule, je ne me vois pas aujourd'hui de mon âge. Oui. Même, c'est trop. L'amour maintenant, l'amour mais se cause. En tant que toi, c'est vrai, l'amour se cause. L'amour se cause.
en face à face. On n'a pas besoin seulement de. On n'a pas besoin de toujours fatiguer ses jambes. L'amour se cause. Peut-être on peut faire une fois par deux jours, trois jours, on peut se taper un coup. Mais il ne faut pas fatiguer quelqu'un. Vous êtes là, elles sont là aujourd'hui, elles appellent. Allô, tu es où? Si c'est les mougouchons des enfants, vous entendez passer. Eux, leur cou est dur. Prenez ancien cou là-bas, qui se casse, on dirait banane pour eux là. Mongoué, allez-y là-bas. Allez-y là-bas. C'est pas comme ça on fait. Hein? Vous êtes, tout le monde a connu vos comportements. Vous avez trahi le monde entier. Vous avez trompé les femmes, les hommes. Tout le monde sait qui vous êtes. Donc maintenant, vous mettez l'argent, faites semblant de se faire bonne personne. C'est pour couiller seulement. Ça là, même mortier, même souvent là. Tu piles le manioc dedans jusqu'à un matin, tu viens, c'est fendu. Tu es coupé, coupé dedans. Où tu as pile le mortier qui est bois. C'est pas ici, on met pile seulement. Quand on met pile, là, ça ne se repose pas. On va vous dire 10 coups. Maintenant, les enfants, prenez mon numéro. Celles qui vous êtes avec des vieilles, comme vous aimez marcher avec les vieilles périmées. Là. Si on vous a demandé 3 coups, appelez-moi. Je vais les contacter. Maintenant, il faut diminuer. Parce que l'amour, souvent, peut faire tomber quelqu'un sur la route. C'est de l'eau qui quitte dans le corps. C'est l'eau qui quitte. Tu peux t'asseoir, donne l'idée à ton gars. Oui, maman, toi-même, tu dis souvent que quand tu demandes à ta femme, elle n'a qu'à te ouvrir. Mais pourquoi, quand on lui dit coup, tu dis que tu te plains? Moi, je dois me plaindre. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé en général. Oh, oui. Pas les vieilles qui sortent avec les enfants. Oui. Je dis, quand tu es marié jeune, que ton mari est jeune, la jeunesse, c'est vous. À n'importe qui, donne-lui envie de ne pas aller dehors. À n'importe quel temps, quand ta femme te demande, ton homme te demande, ah chérie, il faut te plaire. Parce que si tu refuses, il va aller dehors. Tu n'es pas seul, hein? Il y a des milliards de personnes qui sont avec lui. Mais si toi seul, on t'a pris, on t'a mis dans la maison, c'est parce que tu es son genre. Donc, il ne faut pas s'entrer. Mais ce que je vais te dire, je parle de vieilles là. Vieilles personnes. Qui sont comme moi, qui va sortir à Coco, qui va demander 10 coups. Ça, c'est un règlement de compte. La guerre est finie. Mortier même qui est gâté, on pile plus dedans. Le mortier c'est cassé. Quand tu vas, tu viens plus. C'est toi-même qui fais force maintenant. Ah, toi-même tu sais ça. Oui. Ah, donc tu fais force. Le pour ne pas cassé. Être, pour ne pas être, pour ne pas mourir avant ton âge. Oui. Prends ton catégorie. Parce que tout ça, c'est l'argent qui vous envoie là-bas. Mais parce maman, que tu ne veux rien faire. Moi, je te dis quelque chose. Elle en a mangé là. Quand elle te donne là, tu es toujours en forme. C'est manger. Manger. Quand tu finis de manger, quand tu manges qu'on a fait, tu donnes là. Quand tu finis là, tu es toujours en forme. Monsieur Coco, tu ne sais pas ce que tu dis. Oui. Parce que pour manger, ça va te rendre en forme. Puis tu vas appuyer quelqu'un. Monsieur Coco, allons, on est en direct. Hein. Oui. Ouais, c'est le monde entier qui nous regarde. Moi, je te dis, moi, la seule chose, je te dis, manger au village. Laissez tout ça, la jeunesse, admettez ça dans vos têtes. D'accord. Je parle à les femmes là. Prends une jeune fille de ton âge. Oui, oui. Est-ce que tu vois? Si la jeune fille veut 10 coups, tu fais parce que c'est ton âge. Oui, oui. Est-ce que tu vois? Vous pouvez aller à la plage, faire tout ce que vous voulez. Oui, c'est votre ça. Temps. Oui, oui. Mais moi, mon âge aujourd'hui, j'étais pas plus de 60 ans là. Oui. Je ne peux pas dire à un jeune de me faire même. Non, écoutez, l'amour là, je dis, ce n'est pas un règlement de compte. Oui, il y a un moment, il faut arrêter de faire l'amour. Ça, on te donne manger. Tu n'as jamais mangé? On a mangé, on a beaucoup mangé. Tu as mangé? Beaucoup, beaucoup. Il y a des femmes aujourd'hui, des vieilles là. Oui. Vous donnez des voitures aux enfants. Oui. Je vais te donner ça. Maintenant, quand elles sont. Et puis elles sont quand celles qui sont jalouses aussi. Oui. Parce que l'enfant ne sort plus. On ne peut pas te laisser sortir. Mais moi, je vous dis que faire tout possible. Hein, je ne tombe pas même dans mes enfants qui sont dans. Ils voient TV Musique. Un n'a me dit que maman, il y a une vieille qui m'amène. Moi, la maman, il y a eu ici, toi. Tu as plus fait ça. Tu as bougé pour elle. Tu as plus fait ça. Quand tu as été regardé, maman, quand j'ai mis mon enfant, moi, il est là pour la jeunesse. Mais n'est pas là pour toi, vieille. Il va te baiser seulement. Et puis, moi, je suis là. Un matin, quand mon enfant a mouru là, moi, je vais pleurer. Toi, tu as trouvé tout ton mortier qui est gâté dans ton cul là-bas. Il là. Faut chercher à souder. Quand mon mortier est cassé, il y a les gulas, il peut mettre pointe. Arrêtez ça. Des villes, vous ne vous respectez pas. Vous avez compris? Garde à vous, mes enfants qui sont ici. Moi, tous mes enfants, j'ai mis au monde qui sont à l'inventaire de la musique. C'est des jolis garçons. Si vous ne croyez pas, venez jeter un coup d'œil. Il y a un là-même là. Lui qui est le technicien, tu vois son thème, on dirait que tout le temps le lave avec bien décanté. Mais si tu es vieux périmé, tu ne rentres pas dans ma société ici. Les coyotes restent sur la route. Prenez enfant des gens, fais-moi 5 coups, 7 coups. Parce qu'au départ, elle t'envoie, elle va vous payer les chaussures chères. Il y a des chaussures, on dit, allez là, c'est 250 000. Elle t'habille elle va te porter, elle va te faire ceci, cela. Vos sacrifices qui n'ont pas de valeur là, laissez les enfants en paix. Laissez la jeunesse en paix. Prenez vos catégories, il y a des vieux qui sont à la retraite. Allez-y dans les banques là, les vieux, le vieux là, ils sont là, ils sont vieux, mais en bas là, c'est votre genre. Alors nous, on prend demi coups, on fait plus que un-même. Il faut qu'on cause de l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que les enfants vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais encore, tu es là, l'enfant est sur toi, tu n'as aucun geste, tout est froissé sur toi,
Tu as pris enfant des gens. Ah, mon sade talé. Mon père, moi, tu es yo. Restez tranquille. Mon père, moi, tu es yo. 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 Attendez-vous à ça. Les vieilles femmes, là, on n'a qu'à se faire respecter. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, il faut que tu sois là pour que tu parles. Parce qu'une personne comme moi, il faut qu'on vous parle. On ne vous agresse pas, mais c'est une vérité. J'ai une cousine, elle joue au plateau comme ça. Elle vient me dire, ah, j'ai dit, hey, ton fils a grandi, hein. Elle dit, hein, oh, c'est un doua, c'est pas mon fils, c'est mon mari. Ouais, tu dis quoi? Lui, là, c'est ton mari, ça. L'enfant, elle perd son troisième enfant. Ouais. Et l'enfant me dit, maman, elle a payé une voiture pour me donner. Voilà, faut dire à tes parents au village où on peut faire ta veille, sinon c'est pas normal. Faut pas suivre l'argent, puis manger ce que tu n'as pas envie de manger, parce que tu as faim. C'est pas comme ça. Moi, je demande, je dis, ah, ton fils a grandi, hein. Ton enfant que tu l'as mis au monde à Bobo, là. L'enfant, tu l'as mis au monde à Bobo, elle me dit, non, c'est mon gars, ça. Voilà, dès qu'on t'y met, dis, en quoi, nous, hein. Toi, lui, elle perd ton gars. Donc, merci à tous ceux qui écoutent la seule. Venez prendre des conseils. Même si tu as des problèmes, tu as des soucis, tu ne sais pas comment il faut faire. Mais avec le gourmet sucré, la seule va refroidir ton cœur. Merci à Ella du côté de Jesco, Glenn Kidet. Et merci à lieutenant, ma fille chérie. Bijou à vous. Au revoir.